dernier match pour un dernier baroud d'honneur. Après deux défaites consécutives à la COSAFA Women's Cup en Afrique du Sud, les Barea Dames sont presque éliminées du tournoi. Lors de leur premier match mercredi, face à l'équipe de l'Eswatini, les protégées de Théodore Béatrice avaient concédé leur première défaite, 1-2, malgré l'ouverture du score par les Malgaches. Lors de leur deuxième match samedi, elles ont enregistré un nouvel échec face aux Banyana Banyana de l'Afrique du Sud, 1-3. Le dernier match se tiendra ce mardi face au Malawi, la favorite du groupe A. Les Flammes Malawites joueront contre les Barea Dames dans un match sans enjeu majeur pour elles, comme elles sont déjà qualifiées pour le prochain tour. Les Malawites, avec 6 points, dominent ce groupe de Madagascar, de l'Afrique du Sud et de l'Eswatini après leurs deux victoires consécutives. Elles ont battu d'entrée l'Afrique du Sud, pays hôte, 4-3 avant d'écraser l'Eswatini, 8-0. La chance de qualification est donc mince pour les Barea, qui participent pour la quatrième fois à cette compétition et n'ont enregistré qu'une seule victoire face aux Comores lors de leur dernière participation en 2019. Madagascar espère néanmoins décrocher ses premiers points à cette édition face à l'équipe favorite de son groupe au stade de UJ Soweto Campus de l'Université de Johannesburg mardi. Lanterne rouge du groupe A avec 0 points, derrière les Malawites 6 points et l'Afrique du Sud et les Swatini qui ont chacune 3 points, Madagascar n'est pas encore totalement éliminé. Selon le règlement de cette compétition, outre les deux premiers des trois groupes, les deux meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les quarts de finale. Si elles veulent aller plus loin, les Barea Dames doivent battre les Malawites et avec un score fleuve.